savez pas ce que vous êtes en train de faire. On a regardé 11 secondes, j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai arrêté de respirer. C'est ça! Je vais vomir tellement c'est bien! Moi, je suis toujours choquée du fait qu'en Corée du Sud, il y ait autant d'habitants qu'en France. Parce que genre, vas-y, ce qu'ils sont productifs. Ça pond du son. La K-pop, j'essaye de pas trop m'y intéresser parce que je me connais. À partir du moment où je vais commencer à apprendre leur nom, on va me perdre. Déjà, j'ai failli tomber dedans avec Luna et Twice. Donc, bon. Les Coréens, ils détestent qu'on dise K-pop, parce que, bah, effectivement, c'est de la pop, pourquoi on dirait K-pop? Moi, je fais la distinction parce qu'en vrai, vas-y, ils sont dans un autre monde, tu sais. Genre, ils sont tellement plus forts que tout le monde, ils sont tellement dans un délire au-dessus de tout le monde, genre, les productions, elles sont monstrueuses. Je peux pas vous faire écouter la musique, bien évidemment. Je vais vous montrer un clip d'Aespa, par exemple. Leur principe, à elles, c'est qu'en fait, elles ont toutes un avatar, un équivalent en 3D, d'elles-mêmes. Toutes leurs productions, c'est des délires comme ça. Et alors, là, vous vous dites, ah ouais, stylé, machin. Il y a pire. Les mouvements de caméra, là, c'est un délire monstre, hein. Ça, là, ça, c'est un délire. Les mouvements à la grue sur des trucs en 3D comme ça, là, mais qui fait ça? Vous êtes fous? Et alors, faut savoir que, genre, chaque truc dans le clip a du lore. Les clips sont liés entre eux, machin. Enfin, c'est un délire, en fait. Mais c'est... Non, vous m'avez pas perdu, parce que j'ai pas digue le truc. Je sais juste que c'est un délire monstre. Bon, ça, c'est Aespa. Elles sont dans un autre vortex, mais... Moi, j'aime beaucoup Sunmi. Elle est seule, c'est pas un groupe. You Can Sit With Us. Où, bon, clairement, il y a un esthétisme qui me plaît beaucoup. Hein. On est clairement dans le teen movie des années 2000. Bon, je vais vous le spoiler. Si vous voulez pas être spoilé, cassez-vous. En gros... Waouh, c'est rose bonbon, c'est fou, c'est trop bien. Et puis, oh, il y a quelqu'un qui l'appelle, mais qui est-ce qui l'appelle? Donc elle va voir qui est-ce qui l'appelle. Et en fait, c'est son mec, et elle lui a balancé un truc à la gueule, et oh là là, il est mort peut-être, on ne sait pas. Et donc après, elle va dans un vidéo store, et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Des zombies. Et en fait, il est relâ, son gars. Il est pas mort, c'est devenu un zombie. Terrible. Et en fait, on se met à danser. Alors, il y a les zombies qui sont là, mais on s'en fout, on est là, on a une petite Corée encore. J'aime trop. C'est trop bien. Et en fait, bon, qu'est-ce qui se passe? Les zombies débarquent. Alors, on bute les zombies. Voilà. C'est pour rien. Genre, là, la musique, elle parle pas de ça. Hein. Genre, il y a rien, c'est pas cohérent. Mais on s'en fout, c'est là. Voilà, tout le monde est mort, et ça recommence à danser. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un stream, on fait que du react à des clips de K-pop où juste je découvre. Parce que moi, il y en a plein, je connais pas, hein. Blackpink, mais même pas. Blackpink, je suis jamais allée écouter un son de Blackpink de moi-même, tu vois. BTS, je connais Dynamite et Butter. Mamamoo. Ouais, bah ça, je connais pas, tu vois, par exemple. Après, ça va être 2 heures de juste moi devant un écran qui fait « Putain, mais ils sont trop forts, ils se font chier. » Ah mais non, j'ai pas de piste 6. Non, oubliez. On fera ça, Love Shot. Vas-y, j'ai envie de regarder, en fait. Bon, attendez. J'en regarde un, pour faire plaisir, et on fera un stream où vraiment je découvrirai ces trucs-là, tu vois, mais... Picamo Red Velvet, ok, vas-y, attends. Ok. Qu'est-ce que vous faites, madame? Descendez de cette table. Attendez, mais c'est terrible, j'ai dit qu'on allait jouer à The Last Guardian et j'ai envie de faire ça toute la soirée, moi. Ça, j'adore. Les changements de plan avec la même rapidité dans le zoom, je sais pas comment expliquer. Mais vous voyez ce motif-là, là, je le trouve toujours trop stylé dans les clips. Ça. C'est trop satisfaisant. Souvent, les gens qui aiment Luna aiment Dreamcatcher. Ok, then. J'écoute Scream. Bon, alors ça dit quoi, ça? Attendez, j'étais pas prête. Attendez, je me prépare. Attendez, attendez! Je me prépare! On y va. Aïe. Pardon, je suis désolée, mais vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Genre là, c'est grave. Genre là, là, je vais perdre ma vie, là. On a regardé 11 secondes, j'ai pas besoin de plus, en fait. Je me connais. Je sais. Eh, hey, j'ai chaud. Putain. Je remets mon casque. Bon voyage à tous. Tell me why I'm too loud. Please, I don't want to scream.
Et y a un truc dans la prod qui me plaît trop, j'arrive pas à expliquer ce que c'est. Bon, donnez-moi d'autres trucs là. Il me faut d'autres trucs. Mamamoo hype. Ah oui, on m'avait dit ça. Vas-y, la prod est propre. C'est très grave ce qui se passe. En gros, il y a 4 univers avec différentes ambitions pour chacune d'elles. Elle répondait pas aux standards de beauté coréen. Trop grosse, pas assez fine, hein. Elle a persévéré et réussi à se faire une place grâce à sa personnalité. Maintenant, elle a ouvert la brèche pour un nouveau standard. Oh, waouh! Laquelle? Attendez, je vais mettre pause, vous allez me dire laquelle c'est. C'est 1, 2, 3 ou 4? La première. Ok. Ah, celle qui était en présidente, là. Elle remplit pas les standards de beauté, elle? Vous foutez de ma gueule? D'accord. Bah qui les remplit en fait du coup? Oh putain, c'était bien. Allez, encore. Donnez-moi d'autres trucs. Ok, on va faire un truc maintenant. À chaque fois qu'on lance un nouveau son, on reboot nos cerveaux, ok? On respire. Quoi? Pardon? Mais c'est trop bien. Madame, prévenez! Les high notes, prévenez! En fait? Quoi? C'est vraiment très très grave. C'est-à-dire que moi là, j'ai commencé mon stream, je vous ai dit j'ai un problème aujourd'hui, j'ai une nouvelle obsession, j'arrive pas à écouter autre chose que Flower de Miley Cyrus. Mais Miley qui là maintenant en fait? Je l'adore hein, mais mon cerveau il est plus là hein. Bon, donnez-moi du Blackpink. Bon, je mets ça alors. Merci Gragania. Merci Jumped. Ah mais si, je connais ça. C'est Blackpink ça. Oui bah oui, ça bien sûr. À l'aide mes oreilles. Mais on est littéralement sur un stream où juste on écoute de la K-pop. Et si vous écoutez pas de K-pop, si vous aimez pas ça, cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là à vous plaindre? On peut pas aimer tout. Y a pas de souci. Mais là on est là-dedans. Donc n'allez pas commencer à dire K-pop, je sais pas quoi. Parce que bah qu'on le veuille ou non, en vrai ça marche de fou pour une raison en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte d'à quel point genre tout dans la K-pop est vraiment mathématique. C'est fait pour plaire, c'est comme ça, tu vois, c'est calibré de malade. Je comprends que ça vous plaise pas, je comprends complètement, mais n'allez pas dire oui, c'est de la merde, je sais pas quoi, genre c'est objectivement faux, on peut pas dire ça en fait. Est-ce que vous en avez des plus récentes de Blackpink? Parce que genre, je capte, tu vois, mais elle est vraiment datée celle-ci. Shut down. Ok. Voilà. Merci. On y retourne. C'est très chaud. C'est très très chaud. Et bah c'est propre. K143. Vous allez foutre de ma gueule parce que j'ai dit K143. Ah oui, je connais ça. Putain, c'est ça. Je connais la Corée. Je la ferai pas. Ok, j'avais jamais fait le Léo. Mais non, mais j'ai vu tellement de gens la faire cette Corée que je la connais, tu vois. Pardon? Attendez, mais ça sort d'où ça? Putain, c'est fou. Pardon? Qu'est-ce qui vient de se passer? Quoi? Non mais attendez, il recommence là, comme si de rien n'était, vous foutez de ma gueule! Ça va pas ou quoi? Quoi? Putain, ils sont trop forts, ça casse les couilles. Non mais vous êtes trop forts aussi là. Dites-moi un son de Dreamcatcher. Déjà vu? Ah oui, déjà vu, vous me l'avez dit plusieurs fois, je l'ai déjà vu. Comme si j'avais pris la mer, sorti la grand-voix.
Ben, dis-toi que j'ai tort. Dis-toi que j'ai tort. Pardon, mais... Les balades, c'est pas mon truc, je crois, là-dessus. Vous avez détruit ma vie, là, le chat, hein. Vous rendez pas compte, je crois. Comment ça, je suis pas prête? Non. Non, vous allez pas arrêter là. Allez, un petit refrain encore. Allez. Ça me dégoûte. Elles sont trop fortes. Moi, c'est pour ça, je vous ai dit, j'essaye de me tenir loin de la K-pop parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible à la musique et de très sensible à l'image. Donc, quand tu fais en sorte que l'image et que la musique répondent exactement à la demande populaire actuelle, bah forcément, moi, je me prends ça en plein dans la gueule comme ça et ça me trifouille le visage et ça me saoule. Ça me saoule. Je suis fatiguée. Bon, on écoute quoi d'autre? Girls de Aespa. Allez, ça part. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Putain, il y a des fragments qui sont rajoutés en 3D avec le mouvement de la caméra, là. Vous vous foutez de la gueule du monde. Non, mais ça... Mais voilà, mais c'est pour ça qu'ils me font chier, aussi. C'est des gros flexeurs. Il faut... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils, juste, ils sont là, ils disent... Nous, on sait faire ça. Mais ta mère! Quoi? Quoi? Pardon! Oh bah vas-y, rajoute des high notes aussi. Ça nous a pas suffi. Oh, les armeaux. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Alors, Itzy, on a dit. Mais alors, laquelle? Dala Dala? Il n'y a pas eu de transition, là. Ça m'a juste giflé à la gueule et moi, j'ai dit merci, quoi. On est dans quoi, là? C'est terrible comme je suis cette musique comme un trailer psychologique, tu sais. Je suis en mode genre, ok, il va se passer quoi, maintenant? C'est quoi, là? C'est trop satisfaisant! J'ai trop de sérotonine, là! Ce mouvement de caméra, il est trop bizarre. Attendez, pardon. Excusez-moi, mais il faut vraiment que je regarde ça au ralenti. Ça, là! Ça dézoome? Et là, il y a du travelling compensé? Putain... Ah, non, il y a un jump cut! Et oui, il y a deux plans, c'est ça! Il y a un dolly zoom arrière. Une dinguerie ce plan, c'est vraiment une dinguerie. Oh là là. Ah ouais, non, non, non. Putain, mais elle est trop forte. Mais qui es-tu? Non mais c'est extraordinaire. J'ai arrêté de respirer. Oh, ça m'a... Genre là, ça m'a chatouillé le cerveau, là, là. Je suis sur le cul, genre vraiment, c'est... Ok. Antifragile, c'est qui? Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors, attendez. On recommence, on se lave l'esprit. Oh là là! Celle-là, elle va me rendre folle. Hein. Celle-là, particulièrement, elle va me rendre folle.
Tiens, mais ils recommencent avec leurs éclats en 3D là. D'accord. Quoi d'autre maintenant? Je crois que c'est After School à laquelle je pense en fait. Il y a un truc dans cette prod qui me rend dingue. Là, bon déjà il y a du pur crack dans le refrain, mais juste avant dans la prod il y a un truc qui descend qui fait genre toum 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 et juste ce petit truc là, ça me fait péter un grand câble. Il est minuit. On va s'arrêter là, hein. On recommencera, hein. Alors ça, je peux vous dire, hein. Il nous faut un dernier clip et après, je me tire. Non, mais il faut un truc... Dreamcatcher, c'était bien. Vision de... Mais on est sûr, hein. Moi, je veux des trucs qui me fassent hurler, on est d'accord. Mais je l'ai déjà mis, ça, non? Ah non, c'est la deuxième partie. Attendez, pardon. Il y a une deuxième partie? Il y a trois parties. Ah ouais. Vous me lancez dans des sagas, là. Hey, Dreamcatcher, c'est ma merde, hein. Dreamcatcher, c'est oui, hein. Arrêtez de dire bienvenue parmi nous, ça me fait peur. Il se passe des choses en moi qui me font peur. Odai, c'est la suite. Ok, bon, bah on regarde la suite, alors. Puisque c'est là, regardons la suite. La note qui était là, elle était formidable, mon cœur brûle. Attendez. Je vais vomir tellement c'est bien. Ça me saoule. Je suis saoulée de fou. Ça me donne envie de pleurer d'être passée à côté de tout ça. Je tremble genre premier dog. Attendez, attends, ça me parle, attendez. Mais non, le truc qui fait non, 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 non. Mais si, c'est dans quoi ça? Ah, oh, c'est en apesanteur. C'est ça. Ah là là. Eh ben, pardon. Bon, Non, mais je suis là. Putain, les mouvements de caméra, ils sont incroyables. Voilà. Ça, c'est vraiment du porn pour moi. Regardez, calme. Ça sert à rien de faire du sport, on peut juste regarder des clips de K-pop, hein, c'est bon. Ah oui, on est complètement ailleurs là. Ah, je suis fatiguée. Ah, pardon. Mais l'entrée de voix, elle est formidable. Par contre, pardon, mais c'est Laylo, hein. Faut que je tape un truc, faut que je casse quelque chose. C'est vraiment très très grave ce qui se passe. La prod, elle est forte. Mais quoi? Mais pardon? C'était super. Bon, dernier, on se casse. Alors, on m'a dit Chunga. Mais c'est quoi? Alors, laquelle? La plus vue, c'est celle-ci. Attends, pardon, mais ce mouvement-là, il est extraordinaire. Oh là là! Tiboging into... Oh là là! C'est formidable. Putain, mais attendez, mais je me lève, moi, demain, en fait. Tant pis. C'est déjà trop tard. Au sommeil, il est déjà niqué. On s'en fout. Dans la merde. Elle s'arrête pas. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. Non, la musique pas. La musique. On se concentre sur la musique. Quoi? Attendez!
Pourquoi quelqu'un m'y pose là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça bug de fou là! C'est vous qui avez fait ça? Vous êtes sûr? Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Mais la chorégraphie est trop bien en plus. Non, mais là, ça marche trop bien là. Oh! Doucement, doucement, je sens la note arriver. Doucement, doucement. Je vais taper quelque chose. Bon bah c'était bien, je tremble vraiment genre. Moi de base, je parlais de ça, on est parti sur la K-pop, je sais pas pourquoi, mais écoutez. Bon allez, je vous laisse, reposez-vous bien, la bise.